Au salon automobile de Genève, le PDG de Renault et de Nissan, Carlos Ghosn, s'est montré réticent mardi à l'idée de toucher à la fiscalité sur le diesel qui est en France plus favorable que celle sur l'essence. Cette question est actuellement en discussion au sein du gouvernement français. Quant aux priorités du groupe Renault, elles sont au nombre de deux pour Carlos Ghosn. La priorité numéro un, c'est d'aller où se trouve la croissance du marché et d'y participer. Deuxièmement, il faut se mettre en mode résistance en Europe. Malheureusement, aucune sortie de crise n'est en vue pour le marché automobile européen, même si à Genève, les constructeurs essaient d'échapper à la morosité avec de nouveaux produits et des voitures de luxe. Les ventes automobiles en Europe devraient encore une fois se contracter cette année.